C'est certainement ma recette de pâte préférée et je vais te montrer comment la faire aujourd'hui, tu vas voir, c'est une dinguerie. Allez, c'est parti! Pour commencer, dans une casserole, tu vas faire chauffer de l'eau avec un peu d'huile et du sel. Ensuite, tu auras besoin de prendre deux gousailles que tu vas émincer finement, comme dans la vidéo. Pour la suite, rien de plus simple, tu vas prendre une poêle dans laquelle tu vas venir mettre une nouvelle fois un peu d'huile d'olive. Et dedans, on va déposer nos morceaux d'ail qu'on a coupés précédemment. Tu fais chauffer ça à feu doux et normalement, à ce moment-là, ton eau de tes pâtes arrive à ébullition. Tu vas pouvoir mettre les pâtes de ton choix. Moi, personnellement, j'adore les linguinés. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, c'est quoi tes pâtes préférées. Bref, pour la suite, tu vas te couper des petits morceaux de chorizo et tu vas venir les déposer dans la poêle avec l'ail. Tu remues bien tout ça et t'ajoutes une pointe de harissa. Tu vas également ajouter deux belles cuillères de tomates concentrées. Une fois que tout ça c'est fait, on va venir diluer la sauce tomate concentrée avec de la crème de coco et tu termines par ajouter une cuillère de mascarpone. Petite astuce pour avoir une bonne sauce pour tes pâtes, tu vas prendre directement l'eau de cuisson, t'en mets deux bonnes louches, tu laisses mijoter ça pendant quelques minutes et pendant ce temps-là tu vas y goûter tes pâtes et les ajouter directement dans ta sauce. Là on a bientôt fini, il te reste plus qu'à mélanger tes pâtes avec ta sauce et ajouter un peu de parmesan par-dessus. Et le tout dernier ingrédient de cette recette, c'est une bonne pincée d'origan. Enfin, la toute dernière chose à faire, c'est de déguster cette merveille. Et au fait,